Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour vous faire mon book haul des mois de septembre et octobre. Et j'ai des graphiques encore une fois, donc c'est par ça que je vais commencer la vidéo. Le premier titre que je vous montre, c'est Mes voisins, les esprits, le tome 2 de Shirotori Uchiyo. J'ai moyennement aimé le premier tome, mais je vous avais signalé le fait que j'allais quand même tenter le tome 2, voir s'il y aurait une amélioration, notamment sur la construction du récit, qui m'avait posé quelques problèmes, mais j'avoue que des dessins et du principe de l'histoire, j'aimerais quand même bien que ça fonctionne parce que c'est quand même pour le moins porteur. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur le blog, vous savez que dernièrement j'ai quand même commencé la série, je suis en train de me dire mais est-ce que j'en ai parlé sur la chaîne? Non, je crois que j'attendais au moins le tome 3, donc de Magnus of the Library, que j'adore vraiment, gros coup de cœur pour le tome 2 et on va dire globalement pour les deux premiers tomes. Je suis littéralement tombée amoureuse de cette série et en allant voir un petit peu ce qu'avait fait la mangaka, il me semble que c'est une femme mais je peux me tromper, j'ai vu une autre de ces séries en 3 tomes que j'ai réussi à me procurer. Alors je vous dis j'ai réussi à me procurer parce que déjà le tome 2 était manquant. Heureusement on a quand même réussi à me le trouver, mais voilà, je suis pas sûre que si ça vous intéresse vraiment vous puissiez trouver toute la série, à moins qu'il y ait une réimpression de prévu, je ne sais pas. Donc il s'agit de la série Anno Anna de Mitsu Izumi. D'ailleurs c'est d'après l'œuvre originale de Cho Hewa Busters. Donc je pense que c'est rattaché à un roman en fait. Voilà, je sais pas du tout, à prendre avec des pincettes. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors ici en fait on est sur une histoire avec un groupe d'amis qui faisait partie donc des super combattants de la paix. Voilà, un groupe dont Jinta Yadomi faisait donc partie. En fait, tout ce groupe-là, au fil des années, s'est retrouvé séparé, ils se sont éloignés les uns des autres, et notamment aussi du fait de la mort d'une de leurs camarades. Camarade qui va finalement réapparaître un jour. Voilà, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais si c'est de la même qualité scénaristique que Magnus of the Library, j'ai dit Magnus tout à l'heure, non? Je sais plus, c'est Magnus of the Library. Je pense que je vais me régaler et j'ai super super hâte du coup de me lancer. Autre suite de série, donc je me suis procuré La Lanterne de Nyx, le tome 3 de Ken Takahama. J'aime plutôt la série, j'aime les idées, le principe de l'histoire. J'ai eu un petit peu de mal avec le tome 2 où je lui ai reproché notamment de ne pas faire avancer assez les choses. À voir ce que ce tome 3 va réserver, mais voilà, je reste curieuse. Pour une série courte, en plus je crois qu'il y aura 5 ou 6 tomes, je trouve qu'on avance quand même assez peu, mais je verrai. Ensuite, parmi les nouveautés que j'ai achetées, je me suis lâchée. J'ai acheté donc le premier tome de L'Imprimerie des Sorcières de Moshinchi au scénario et de Yasuhiro Miyama, oui c'est ça, au dessin. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, le côté sorcellerie et il y avait encore des histoires de livres dans l'histoire, ça m'intriguait. Les dessins sont plutôt sympas. Franchement, j'aime assez les traits au niveau des personnages. Voilà, ça me plaît assez, je dois dire. Je vais essayer de vous trouver une autre planche. Une héroïne à lunettes en plus. Voilà, donc là, je signe aussi. À voir ce que ça va donner, mais sur le papier, j'avoue que ça m'intrigue assez. Je me suis aussi procuré les tomes 1 et 2 de La Malédiction de Loki de Hachi. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai lu le résumé que je vais être incapable de vous retranscrire tout de suite. Voilà, j'ai pas forcément envie de me replonger dedans. Mais je pense que ça va un petit peu me changer de ce que je lis habituellement. Ici aussi on a des dessins que je trouve plutôt intéressants. Ça peut totalement le faire. Voilà, je suis pas sereine, je suis très curieuse, mais je m'interroge vraiment. Voilà, j'ai peur finalement de complètement passer à côté. J'essaye de vous trouver une planche sympa, mais et pas trop qui pourrait spoiler, hein, on sait jamais. Mais voilà, c'est plutôt chouette en termes de dessin également. Ensuite j'ai aussi acheté
un shoujo feel good, donc My Fair Honey Boy de Junko Hike. Voilà, donc j'avais envie vraiment de nouveauté, de me lancer dans quelque chose que j'avais pas forcément énormément vu, donc là le résumé m'a interpellée. Ici on est sur une, ce que je trouvais intéressant en fait, c'était l'inversion des rôles. En fait, la fille avait un caractère fort et le personnage masculin avait un caractère un petit peu timide, un petit peu renfermé. Voilà, c'est quelque chose qui change finalement un petit peu de beaucoup beaucoup de shoujo. Bref, les dessins, pareil, m'ont bien parlé. De toute façon, si les dessins pour moi ne fonctionnent pas, j'ai énormément de mal à me projeter dedans et à vouloir me lancer. Après, si les avis sont dithyrambiques, en général, j'essaye de lui accorder une chance. Mais voilà, donc là aussi, c'est un titre qui me tente énormément. Et justement, on arrive sur un titre que j'avais pas forcément repéré. Et la couverture me parle pas du tout. Sincèrement, si j'avais pas entendu de bien sur ce titre, je me serais pas lancée. Il s'agit de Entre deux de Kujira. On est sur une histoire, voilà, de romance, puberté, apparence. Donc c'est les mots-clés qui sont au dos de l'ouvrage. D'ailleurs, c'est ce que fait Akata. J'aime beaucoup cette idée de mots-clés. Je saurais pas trop vous dire de quoi ça parle, mais bon, vous avez un petit peu une idée avec les mots-clés. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à aller vous renseigner. Mais je crois, voilà, on parle vraiment, on suivait deux personnages qui se connaissaient, qui vont grandir, et là ils vont affronter finalement l'adolescence avec tous les changements du corps, avec les premiers émois, avec toutes les critiques, je pense, qui peuvent être un petit peu plus présentes au lycée qu'au collège ou en école primaire. Non, franchement, ça, là vraiment les thématiques me disent totalement, donc j'avoue qu'encore une fois c'est un titre qui me tente très très fortement. Ensuite on arrive au roman. Sincèrement, ce book haul va aller très très vite, j'ai pas grand chose à vous présenter, ce qui est pas forcément plus mal. Ma pile à lire continue de baisser et j'en suis très contente. J'ai fait mon achat trimestriel chez France Loisirs, j'ai choisi Le Trésor de l'île sans nom de Gilles Habier, qui est publié initialement chez Poulpe Fiction. C'est un titre que j'avais repéré déjà de base il y a quelques temps, donc quand je l'ai vu chez France Loisirs, je me suis dit allez banco, je prends. Voilà, mon achat trimestriel et tout trouvé. On a aussi des illustrations comme très souvent chez Pulp Fiction, et j'aime assez ce qui se dégage des illustrations. Voilà, ça me plaît bien. Donc on est sur une intrigue avec de jeunes pirates en herbe. Voilà, je n'en sais pas plus, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Il paraît que c'est top, et en termes de personnages aussi, il paraît que c'est des caractères assez intéressants. Ensuite suivent trois services presse reçus donc en octobre. Notamment, j'ai reçu une romance de Noël, Embarquement immédiat pour relations agitées de Déborah Guérand. On a des petites paillettes, je sais pas si ça va se voir, je vois pas très bien mon retour caméra, je crois pas qu'on les voit, mais il y en a en fait sur tout le titre et sur le nom de l'auteur, enfin de l'autrice en l'occurrence. Une petite romance qui m'avait intriguée de par son résumé. De toute façon, si la romance, quelque chose dans le résumé fait que je me dis pourquoi pas. Voilà, en général, elle a de grandes chances d'être lue à un moment. Là, elle sera lue au mois de novembre, donc je pense plutôt fin novembre pour le coup. Dans ce récit, en fait, on suit une héroïne qui aurait rêvé de passer Noël donc avec une tasse de chocolat chaud et tranquillement chez elle, mais en fait, sa chef va l'envoyer travailler finalement pendant les fêtes. Elle va l'envoyer sur une croisière qui s'appelle Miracle Love Boat, donc qui permet d'aider en fait à sauver les couples à la dérive. Voilà, donc à Noël, elle se retrouve à travailler et embarquer pour une croisière qui permet de sauver les couples à la dérive. Voilà, pourquoi pas, le concept me plaisait, donc ça peut rendre quelque chose d'aussi chouette que drôle. Des petites touches d'humour dans les romances, voilà, je trouve que ça fait toujours son petit effet. J'ai aussi reçu donc le nouveau de Sarah Morgan qui sort là tout bientôt. Je sais même pas si quand vous verrez cette vidéo il sera sorti, je crois qu'il sort le 8 novembre. Je suis pas sûre à 100%. Je l'ai pas mis dans mon billet sorti parce que je savais que j'allais vous le montrer bientôt, donc finalement je l'attendais plus vraiment. Donc c'est Les Vœux Secrets des Sœurs McBride, et ici j'espère vraiment que cette fois-ci ça le fera davantage que, c'est quoi, Petit Secret Grand Mensonge, ou je sais plus, à Martha's Vineyard, je crois que c'était un truc comme ça le titre. Voilà, j'espère que, alors c'est le même genre d'histoire, mais j'espère que cette fois on aura des secrets, des histoires un petit peu plus intéressantes et quelque chose de finalement moins bateau.
Voilà, vraiment pour moi tout ce qui était développé dans l'autre titre de ce genre-là, de l'autrice qui était hors des romances finalement, même s'il y avait de la romance, c'était vraiment hyper habituel, hyper transparent. Bref, pour moi ça n'avait pas du tout fonctionné, donc là pour moi ce sera sa seconde et donc dernière chance. Si là j'aime pas, je pense que ce qu'elle écrit dans ce style-là, ce sera tout simplement pas fait pour moi. Ah, et en passant, là aussi, il y a de la paillette, hein, sur le titre et sur le nom de l'autrice. Et ah, même sur les... Ah, mais non, il y a plus de paillettes que ça, dis donc, en fait. En fait, il y en a partout, sauf sur le fond blanc. Voilà, donc de la paillette, si vous aimez, vous en avez. J'ai aussi reçu Le Gardien des Tempêtes de Catherine Doyle. Au moment où je filme cette vidéo, j'en ai parlé, donc le jour même, sur Instagram. Donc c'est ma lecture en cours, sachant que je ne l'ai pas encore commencé. Voilà, bon, au moment où vous verrez cette vidéo, il sera très certainement déjà terminé. Peut-être pas chroniqué sur le blog, quoique, quoique. Voilà, tout va dépendre un petit peu de quand cette vidéo sera publiée. J'espère le plus tôt possible. Dans ce récit, on suit un jeune garçon qui s'appelle Fionn, qui va passer les vacances avec sa grande sœur, donc chez leur grand-père, sur l'île d'Aranmore. Voilà, alors lui, il aurait préféré être complètement ailleurs et surtout pas passer les vacances avec sa sœur. Notamment, il aurait préféré rester chez lui. Quoi qu'il en soit, il est sur cette île, il va devoir s'y faire. Des choses étranges vont commencer à arriver. Il va apprendre que son grand-père est le gardien actuel des tempêtes. Ce dernier veut justement passer la main et donc ils sont à la recherche du nouvel élu. Et je crois, si je comprends bien, mais là je fais peut-être, j'interprète peut-être un petit peu trop, mais en tout cas il va y avoir une lutte, voilà, pour désigner le nouvel élu. Et en attendant, à côté de ça, des choses louches continuent de se passer. La mythologie, ce job un petit peu de gardien des tempêtes, ça m'intéressait, donc voilà, j'ai hâte. Puis j'avoue que de plus en plus je prends plaisir à découvrir de nouvelles choses en jeunesse et ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Les deux derniers titres, ce sont des achats. Je sais pas par lequel commencer parce que les deux, ben voilà, c'était quand même des titres que j'attendais et que je suis très très contente d'avoir. On va commencer par celui qui va vous éblouir de mille feux. Je pense qu'avec cet indice, si vous ne devinez pas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, tiens, si vous aviez deviné. Voilà. En tout cas, il s'agit de... C'était une sortie de septembre. Voilà, je peux pas donner plus d'indices que tout ça. Donc, il s'agit de King of Scars de Leigh Bardugo. Voilà, donc le précieux est là avec sa robe comme ça qui éblouit comme jamais le lecteur. Et alors c'est comme ça partout, hein. Voilà, donc je m'attendais pas à ce que ça brille autant, mais j'avoue que ça fait son petit effet. Et puis alors au niveau du décor de la couverture, c'est en relief, c'est très très chouette. Et alors ce que j'ai vu en ouvrant le livre, alors là je pense que la maison d'édition n'aurait pas pu me faire plus plaisir. Par contre, je me dis que finalement, ils auraient pu faire ça pour Six of Crows, si, et Grisha. Voilà. On a des en-têtes de chapitre. Voilà. Ils sont plutôt chouettes, hein, je trouve. Vraiment. Puis alors, ce que j'aime bien chez Milan, même si j'ai un peu de mal avec leur format, que je trouve un petit peu... Bah, ils sont plus grands qu'en fait ce qu'ils publiaient dans leur collection Macadam. En tout cas, le livre est super souple et pour casser le dos en fait du livre, faut y aller, hein. Mais ça j'aime bien. À lire, c'est hyper hyper plaisant. Donc je ne suis pas à jour, hein, dans Grisha. Par contre, j'ai lu le tome 2. Il me restera plus que le tome 3, donc que je pense lire en décembre, et le recueil de contes que je pense lire en janvier. Donc voilà, très tôt je pense l'année prochaine, je me lance. L'avantage d'être en retard, c'est qu'au moins je vais pas attendre le tome 2 100 ans. Et le dernier titre, alors j'ai mis tellement de temps à me le procurer. Ce qu'il y a, c'est que les livres de cette maison d'édition, c'est hyper compliqué de les acheter, surtout quand vous n'allez pas à des salons, notamment certains gros salons dans le nord de la France, enfin Paris et voilà plus haut. Et sur Amazon, ils ont, je crois, très très peu de stock et ils n'ont pas forcément leur boutique aussi, c'est compliqué pour se les procurer. Elle n'est pas toujours ouverte. Je crois qu'ils vont en ouvrir une. Il me semble pas qu'actuellement c'est le cas. Après, je vous avoue que déjà les livres sont chers. Quand il faut rajouter des frais de port, j'ai un peu de mal. Mais bon, bref, en tout cas, sur Amazon, c'est la croix et la bannière pour l'avoir. Mais je l'ai eu, je suis très contente. Il s'agit de Kate Daniels, le tome 7, Rupture magique de Ilona Andrews. Juste petite déception, même si pas vraiment finalement, parce que je préfère cette matière-ci. C'est qu'avant, le toucher des livres était un petit peu velouté. Là, c'est un petit peu plus mat, ce qui me déplaît pas. Mais voilà, du coup, ben, l'objet livre est un petit peu différent, mais bon, alors on reste quand même sur un livre de la même taille, donc c'est pas bien grave, c'est qu'un détail.
Et bah, je suis très très contente. Plus on avance dans la série, plus les tomes sont gros. Donc plus le prix aussi augmente. J'espère qu'on va pas trop trop augmenter dans les prochains. Ça va être compliqué sinon. Mais bah, je suis quand même très très contente. Voilà. Donc j'achète pas si souvent que ça des livres aussi chers. Mais cette série le vaut bien. Voilà, pour ce genre de série comme ça, j'hésite pas. Même si c'est pas toujours évident. Bref, donc voilà, le nouveau précieux a rejoint ma pile à lire. J'essaye de pas les lire trop trop vite pour les savourer un petit peu. Et cette année, j'en aurais quand même lu deux. Ah, peut-être pas. J'en ai lu un en début d'année. Et je crois que j'en ai lu un autre après, hein. Quand même. Je crois. En tout cas, il me reste le tome 6 à lire. Et le tome 8 sort début d'année prochaine. Voilà. Donc toujours si j'ai un tome d'avance, ça me convient tout à fait. Sur ce, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Pour le prochain book haul, je pense encore une fois attendre du coup fin décembre. Cette année, il y aura eu moins de book haul, mais donc moins d'achats, moins de réceptions également, et une baisse de pales un petit peu plus notable. Mais je reviendrai dessus dans des bilans. Mais je suis très très contente en tout cas de ce que j'ai réussi à faire cette année. Et je pense que quand je ferai un point un petit peu plus précis, je pense que je vais être agréablement surprise. Du coup, maintenant donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!